Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un appartement qui fait 43 mètres carrés 89 exactement, loi Carrez, avec trois pièces. Trois pièces qui se trouvent comme ça un petit peu en enfilade. Voilà. Alors je suis rentré par cette porte que je vais fermer immédiatement. Voilà, une porte presque blindée on va dire. Donc, ici, on a une petite entrée qui n'est pas très très grande, hein, puisqu'on doit être en dessous des 1 mètre carré. Elle donne à droite avec une salle de bain. Je vais allumer, voici. Ici, on a un petit radiateur et on a une VMC qui se trouve là-haut. Voilà. Je referme le tout. Donc cette pièce ici est considérée comme le séjour, qui fait 9 mètres carrés, qui donne sur la rue Henri Feulard. Là nous avons la cuisine, qui fait elle 3 mètres carrés, comme ceci, avec un bac et un cumulus, le cumulus est là, le ballon d'eau chaude, le bac inox et le meuble. Donc le séjour qui est là, on a une première chambre, la première chambre fait 13 mètres carrés 40, comme ceci, qui donne sur la rue Henri Feulard. Je vais aller dans le coin, ici nous avons un petit couloir qui dessert à la fois sur le séjour et la chambre. Je referme et on va faire un petit tour. Voilà. Je reviens sur la chambre numéro 1. Donc j'ai fait le tour. On va passer à la chambre numéro 2. Voilà, la chambre numéro 2 qui fait elle 14 mètres carrés et 50. 14 mètres carrés 50 précisément. Je vais ouvrir la fenêtre. Voilà, on est boulevard de la Villette. Je referme la fenêtre. Donc deux fenêtres en PVC. Ici, un radiateur, une petite niche, une porte, un petit placard ici que je vais ouvrir. Voici, voilà, je vais faire. Comme ceci. Un petit panorama. Là, la chambre numéro 2, le séjour, la cuisine et l'entrée. Je vous dis à bientôt peut-être et bonne journée. Au revoir.